compagnons, le vieron ne bouge, marchons droit, la main dans la main. Compagnons, le grand soleil rouge brillera, brillera demain. Paysans qui semaient le blé, sans le pouvoir manger ni vendre. On va ouvrir le débat donc avec Patrice Coenseat. Patrice Coenseat est avocat, il a été membre de la direction nationale du Parti communiste français pendant plusieurs années entre 2000 et 2010. Il est toujours un communiste engagé dans la réflexion et dans l'action pour que viennent peut-être des temps d'émancipation dans ce pays. Voilà, on se connaît depuis notamment par le fait qu'il a dirigé jusqu'à ces derniers temps l'association nationale Espace Marx, et moi j'étais l'un des animateurs de l'association Rencontre Marx-Languedoc. Ça nous a permis de nous connaître et je lui laisse tout de suite la parole. Merci et bravo et félicitations à d'abord à vous tous qui êtes là et puis à ceux qui organisent cette rencontre. C'est une réflexion que je vais vous présenter et qui part de la question suivante. Bon, je pense qu'on sera assez facilement d'accord pour dire que la situation à la fois sociale et politique est catastrophique en France, mais pas qu'en France, dans toute l'Europe, avec un tableau qui est assez généralement partagé, c'est-à-dire une gauche divisée et affaiblie, très affaiblie, une droite qui menace et qui est flanquée d'une extrême droite encore plus menaçante. Et ce tableau est effectivement un tableau européen. Chaque jour ou chaque semaine nous donne une indication supplémentaire dans ce sens. La semaine dernière, comme vous l'avez vu, c'était le résultat des élections présidentielles en Autriche. On ne peut pas dire que tout ça est dans le bon sens. Mais c'est également une situation socialement catastrophique parce que nous vivons maintenant, depuis 4 bonnes décennies, une situation de régression sociale continue, avec le dernier épisode qui est l'objet de luttes très importantes dont nous espérons tous qu'elles seront couronnées de succès contre les lois El Khomri de démantèlement du droit de travail. Et donc, la question, comment se fait-il que la classe ouvrière, qui était très minoritaire au début du XXe siècle, fin XIXe, début du XXe siècle, très minoritaire, ait pu réaliser tant de conquêtes sociales, démocratiques, et que les couches populaires d'aujourd'hui, qui sont majoritaires, gardons deux chiffres en tête, les ouvriers représentent 22% des actifs en France aujourd'hui, et les employés, 30%. Je ne parle pas des catégories intermédiaires, des employés. C'est-à-dire qu'on a 22 et 30, 33 en réalité, on a 55% de couches populaires dans notre pays, alors que la classe ouvrière était extrêmement minoritaire, beaucoup plus minoritaire au début du siècle dernier. Donc comment se fait-il que cette classe minoritaire a conquis tant de choses et que les couches populaires majoritaires d'aujourd'hui n'arrivent pas à empêcher même une régression aussi importante. Et une régression qui se passe apparemment sans que ces couches populaires puissent résister, avec au contraire un sentiment d'impuissance. Et pour répondre à cette question, pour essayer de comprendre ce paradoxe, je me suis dit qu'il fallait d'abord comprendre comment la classe ouvrière était devenue un acteur, ce que j'appelle moi un sujet collectif, si puissant. Comment ça s'est passé? Et c'est d'autant plus intéressant que c'est en fait une réalité absolument exceptionnelle dans l'histoire. Si on prend la façon dont la bourgeoisie l'a emporté sur les classes de la noblesse d'Ancien Régime, il y a eu effectivement une lutte de classe, dans laquelle d'ailleurs la bourgeoisie a largement utilisé les couches populaires de l'époque. Je pense à la Révolution française et à tout le XIXe siècle. Mais la bourgeoisie n'était pas une classe parmi les plus déshéritées, les plus dominées. La bourgeoisie
dans un pays comme la France, comme d'ailleurs dans les autres pays européens développés, était une classe qui était une classe puissante face à la noblesse d'Ancien Régime. Elle disposait notamment du savoir et de l'argent, en tout cas d'une partie importante de l'argent. C'est-à-dire que l'histoire de la classe ouvrière, c'est véritablement la première fois dans l'histoire que une classe sociale parmi les plus dominées de la société, ce que Marx appelait le prolétariat, réussissait non seulement à s'organiser, à lutter, mais à ébranler le système social et à le transformer. Et comme vous le savez, cette transformation, elle a transformé, bouleversé la société française, mais elle a aussi bouleversé le monde en général, parce que des phénomènes semblables ou convergents se sont produits dans la plupart des pays développés, et même parfois dans des pays où il n'y avait pas de classe ouvrière, par une sorte de contagion idéologique et politique. Et l'expérience est d'autant plus intéressante que, alors même, comme je le disais il y a un instant, que les couches populaires ont augmenté en nombre et en pourcentage dans la société, cette ascension de la puissance de la classe ouvrière a été suivie d'un déclin de sa puissance. Pas un déclin de son nombre, mais un déclin de sa puissance. Et donc, ça permet de réfléchir utilement pour ensuite se poser la question de savoir ce qui se passe aujourd'hui et comment l'offensive pourrait être prise. Ce mouvement d'ascension a été un processus de politisation. C'est-à-dire qu'il y a eu des luttes dans les manufactures, dans les fabriques, dans les ateliers, dans les entreprises, et puis dans les usines, et ensuite dans les usines géantes, des luttes qui se sont élargies et qui ont certainement été rendues possibles, je vais y venir dans une seconde, par la possibilité d'y construire des rapports de force gagnants. Des rapports de force qui ont obligé le patronat et les gouvernements successifs et l'État à faire des compromis. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus de prise de confiance, et c'est pas pour rien que ma langue a fourché avec conscience, parce que ce processus de prise de confiance a été aussi un processus de prise de conscience. C'est-à-dire que dans les luttes, cette catégorie sociale, la classe ouvrière, s'est progressivement, a progressivement élargi le champ de ses préoccupations et l'horizon de ses objectifs. C'était d'abord des luttes corporatistes, comme les appelait Marx, c'est-à-dire luttes catégorielles au niveau d'une fabrique ou d'un atelier. Et puis ces luttes se sont progressivement élargies pour poser des questions sur l'organisation de l'entreprise, l'organisation de la filière, les luttes en général, et finalement s'est posée la question de l'organisation du pays. Et la classe ouvrière a pu ainsi, au fur et à mesure que ces luttes s'élargissaient et qu'elles prenaient à la fois confiance et conscience d'elle-même, de ses intérêts, de ce qu'elle pouvait obtenir, elle a pu aller jusqu'à proposer une alternative de système, c'était le socialisme, alternative de système qui donc disputait à la bourgeoisie dominante de l'époque son leadership, sa capacité à diriger la société. Et au fond, ce qui caractérise cette histoire, c'est ces deux éléments clés. Un, une capacité à lutter et à gagner. Et j'insiste sur ce point parce que on ne lutte jamais pour rien. Je pense que toute personne qui lutte attend de cette lutte une amélioration de ses conditions de vie, de ses conditions de travail. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une capacité à lutter, mais aussi à gagner. L'un ne va pas sans l'autre. Et d'autre part, une capacité proprement politique à proposer un autre ordre social. Quelque chose qui est de l'ordre de l'élaboration politique, et je dirais même de l'imagination politique, parce que c'est quelque chose qui est le produit de l'activité politique, ce n'était pas donné d'avance dans les luttes. Justement, les luttes auraient pu demeurer catégorielles, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Cette classe a réussi
à dépasser la question de ses propres intérêts pour poser la question des intérêts de tous dans la société, en tout cas de toutes les classes exploitées et dominées, et de proposer un autre horizon social. Quand je dis cette capacité de la classe ouvrière, je fais la comparaison avec la capacité ou l'incapacité d'autres classes dominées à secouer le joug qu'elles subissaient, les dominations qu'elles subissaient. Je prends, par exemple, limite, les esclaves dans l'Antiquité. Il y a bien eu quelques révoltes des esclaves, mais les esclaves... Donc il y a bien eu de la lutte de classe, si on peut dire. Mais les esclaves dans l'Antiquité ont vu toute leur lutte ou révolte réduite dans le sang. De même la paysannerie, sous l'Ancien Régime. C'était déjà les 99%, les paysans de l'époque. De toute façon, les classes dominantes ont toujours besoin que ce soit une immense majorité qui travaille et qu'elle puisse exploiter. Mais ces 99% de la paysannerie exploitée de l'Ancien Régime n'a jamais réussi, malgré même la guerre des paysans en Allemagne, qui a été une vraie guerre, avec des dizaines de milliers de personnes armées qui se sont affrontées à des armées, mais elle aussi, elle a été réduite dans le sang. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait cela ? Donc, il y a des conditions objectives. Ces conditions objectives, on les connaît spontanément, c'est le développement de l'industrie, c'est le développement des usines, des ateliers, des fabriques, des usines. C'est donc des concentrations ouvrières et c'est une capacité de cette catégorie sociale, en raison de ce développement de l'industrie, à nouer des relations de travail d'abord, mais aussi de fraternité et évidemment de lutte. Cette capacité à se rencontrer, à prendre conscience de ses intérêts, à prendre conscience de sa force, à organiser des luttes et à prendre de plus en plus confiance dans le collectif ouvrier, c'est une des conditions qui va de pair avec d'autres facteurs comme le développement des communications, et pas que les communications de transport, mais également la presse. C'est également un moment où les relations entre les catégories sociales ouvrières ont beaucoup compté dans cette capacité à développer le niveau corporatiste pour aller jusqu'à poser la question d'une alternative de système social. Ça, c'est les conditions objectives. Mais il y a aussi les conditions subjectives, ce qu'on appelle habituellement la conscience de classe. Et je voudrais insister là sur le fait que la conscience de classe, dans mon esprit, comme d'ailleurs dans l'esprit de ceux qui ont avant moi, ils sont nombreux, réfléchi à cette question, ne tombe pas du ciel. C'est pas donné avec la condition ouvrière, par exemple. Parce que, d'abord, quand on parle de classe ouvrière, on en parle en général comme d'un tout, d'un ensemble, mais tous les ouvriers n'ont jamais été tous dans la lutte. Et politiquement, comme vous le savez, même autant les plus héroïques et les plus grandes de son ascension de la classe ouvrière, il y a, dans un pays comme la France, il y a même toujours eu au moins 30% des ouvriers qui ont voté à droite. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la condition d'ouvrier. Le fait d'être ouvrier, le fait d'être exploité est un des éléments, naturellement. Mais c'est aussi le produit d'un processus politique, c'est-à-dire d'une activité politique, d'une activité de réflexion, qui a fait que, progressivement, une partie des ouvriers, si importante que finalement c'est devenu un sujet collectif, c'est-à-dire des gens suffisamment nombreux, capables de s'organiser, d'agir ensemble, de lutter ensemble, de parler ensemble, de lancer des mots d'ordre ensemble, de lancer des idées ensemble, que finalement, ceux-là ont fini par identifier toute la classe, ce qui faisait que d'ailleurs Marx faisait une distinction entre ce qu'il appelait la classe en soi, c'est-à-dire la catégorie sociale, les ouvriers, et la classe pour soi, c'est-à-dire les ouvriers comme force collective de gens qui sont capables de s'organiser ensemble pour lutter. Donc, cette conscience de classe n'est pas tombée du ciel. Elle est le produit d'une activité politique. Elle est le produit d'un processus au cours duquel les ouvriers et les ouvriers qui étaient en lutte, qui étaient dans ce mouvement, se sont posé la question de savoir
non seulement comment améliorer leur situation personnelle, individuelle, mais peu à peu, et c'est là qu'est le phénomène exceptionnel de la classe ouvrière, qui se sont posé la question de changer l'ordre politique, de changer la politique et de changer de société tout court. Et pour ça, il s'est construit quelque chose qui est un ensemble d'idées, un ensemble de principes dans lequel des théoriciens comme Marx ou autres ont évidemment beaucoup compté, dans lequel des artistes ont aussi beaucoup compté, qui ont produit un imaginaire, une façon de voir le monde, ce qu'un autre grand philosophe marxiste et dirigeant communiste qui s'appelle Gramsci, italien, avait nommé le sens commun, c'est-à-dire une façon de voir les choses et la vie, dans lequel s'est construite la possibilité, l'imagination d'un autre ordre politique. Il y a donc eu la construction de ce que certains appellent un grand récit, c'est-à-dire d'une représentation du rôle de cette classe dans la société, et qui donnait à cette classe, parce qu'elle était la plus dominée dans la société, une fonction libératrice de toute la société. Les ouvriers, disait Marx, n'avaient que leur chaîne à perdre, et parce qu'ils n'avaient que leur chaîne à perdre, en se libérant, ils libéraient la société tout entière pour aller vers une société sans classe. C'était tout un imaginaire, tout un projet, je dirais, un projet de société. Et ce projet était tellement enthousiasmant, tellement porteur d'un idéal, qu'il a réussi à remuer des montagnes. Et qu'il est devenu une force politique et sociale majeure pour toute l'histoire du XXe siècle notamment. Le mouvement s'est déconstruit parce que les deux facteurs que j'ai identifiés comme à l'origine de l'ascension de la classe ouvrière se sont progressivement déconstruits eux-mêmes. Le premier, c'est la capacité à lutter. Vous pouvez constater que depuis 68, et à part le CPE qui était plutôt une lutte défensive, la lutte contre le contrat première embauche, il n'y a plus eu de grandes victoires sociales. Il y a eu des grands mouvements sociaux, comme en 95, qui ont réussi à faire tomber le gouvernement de Juppé, par exemple, mais ces grands mouvements sociaux n'ont pas réussi à porter une alternative et à porter une mobilisation qui aurait permis ensuite d'inverser le mouvement. Et ceci est dû au fait, à mon sens, alors ça c'est une idée que je verse au débat, c'est que l'organisation de la production, du travail, de la société, s'est profondément transformée avec la mondialisation. La question de savoir si c'est une stratégie du capital ou pas une stratégie du capital est une question à mes yeux secondaire. À mon avis, il y a une part de stratégie et une part d'évolution des technologies, des systèmes de production en général. Mais toujours est-il que le capital a mis en place un système dit de mondialisation, alors que l'ensemble des luttes ouvrières et des luttes sociales en général étaient construites dans le cadre national. Et le capital a produit un système dans lequel, en gros, il dit aux ouvriers de chaque pays, si vous luttez, si vous résistez trop à la domination, à l'exploitation que je vous impose, je vais ailleurs. Je délocalise. Et ça s'est traduit par des mécanismes bien concrets, bien précis, la libération de la circulation des capitaux, la libération de la circulation des marchandises, etc. Enfin, c'est tout un système mondial qui s'est mis en place et qui a permis au capital de diviser le salariat qu'il exploitait d'ailleurs de façon indifférente partout dans le monde. Vous savez ce qui s'est passé chez Renault ou chez Fiat dans ces dernières années, vous savez ce qui se passe tous les jours et qu'on voit chez Goodyear et ailleurs. On voit un patronat qui dit si vous n'acceptez pas, et ça a été spectaculaire chez Renault et Fiat parce que c'est des bastions de l'organisation ouvrière, où le chantage a été très concret, c'est de négocier de la modération ou même de la baisse salariale ou de l'intensification des conditions de travail contre le fait simplement de maintenir l'emploi ou contre le fait de ne pas réduire trop, entre guillemets, l'emploi.
Il y a donc ce premier mécanisme qui a fait que les luttes sont devenues, au fond, relativement impuissantes. Il y a une image qu'on se rappelle, qui fait partie de l'imagerie ouvrière, de la culture ouvrière. C'est la capacité qu'avaient les ouvriers dans la première partie du XXe siècle, selon une expression consacrée, de fermer une tôle. C'est-à-dire qu'ils empêchaient la production. Et du coup, ils forçaient le patronat à négocier. Et aujourd'hui, si les ouvriers ou les salariés en général veulent fermer une tôle, fermer une entreprise, le patronat dit « je vais ailleurs ». Et donc ça décourage les luttes, et ça fait de la tentative de préserver son emploi, quitte à ne pas résister, quitte à ne pas lutter, ou ne pas lutter sur certaines questions, en tout cas, un facteur d'affaiblissement considérable. C'est donc des conditions objectives qui ont là changé. Mais en même temps, il y a eu aussi une transformation majeure des conditions subjectives de la lutte, de ce qui concerne la lutte des classes, la conscience de classe. C'est que l'alternative de système qui s'était construit avec le développement de la classe ouvrière, appelons-le, si vous voulez, le socialisme d'État, puisque c'était l'idée d'un système dans lequel la nationalisation de l'économie permettrait à l'État de l'administrer. C'est ce qui se faisait dans les pays dits socialistes, ou dits du socialisme d'État, justement. Ce système représentait par les pays de type soviétique, notamment, ce système a échoué. On peut, c'est évidemment l'objet d'une discussion possible, qu'est-ce qui a échoué dans l'échec de ce système ? Mais le fait est que ce système a échoué, et que cet échec a produit une véritable sidération du côté du monde du travail et des luttes, parce que là où il y avait un objectif, où on savait où aller, où on avait le projet, en quelque sorte, qui permettait de se dire, eh ben voilà, cette société, on va la changer comme ça, et on va la changer pour faire ça, eh bien, cette espèce de certitude qui existait dans des millions de têtes et de cœurs, cette certitude a disparu avec l'effondrement du socialisme d'État, au point d'ailleurs que certains historiens ont pronostiqué l'idée qu'au fond, l'histoire était maintenant finie. On voit bien qu'il n'en est rien, mais enfin, eux l'ont dit comme ça, et notamment un certain Fukuyama, qui a dit que c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire c'est la fin de la lutte des classes, en gros. Et donc, à partir de cette réflexion, je me suis posé la question de savoir si on pouvait penser une contre-offensive. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que par hasard, on ne serait pas dans une période de l'histoire où il y aurait de nouveau une sorte d'impossibilité de résister, où il y aurait une absence de demande, d'exigence, de lutte, de résistance. C'est qu'on est dans une situation inverse. C'est-à-dire qu'on est dans une période où la société n'est pas du tout apathique, mais éruptive. On est dans une société qui souffre, on est dans une société inquiète de ce qui peut se passer, de ce que sera notre pays demain, de ce que sera le travail demain, de ce que sera la société demain, on est dans une société qui lutte. Parce que, je disais tout à l'heure, les luttes sont devenues impuissantes à faire bouger la situation, c'est vrai, mais pourtant, il y a des luttes en permanence, et il n'y a pas que des luttes sociales, il y a des luttes tous azimuts. Vous ouvrez votre téléviseur le matin, et vous entendez Loi El Khomri et Nuit Debout. Vous l'ouvrez hier et vous entendez les agriculteurs en lutte. Vous l'ouvrez avant-hier et vous entendez les chercheurs ou les enseignants en lutte. Vous l'ouvriez à un autre moment, vous entendez le personnel hospitalier. Vous l'ouvrez aujourd'hui, vous entendez les intermittents. C'est-à-dire qu'en réalité, on est dans une situation qui là aussi correspond à un paradoxe. C'est-à-dire que les luttes n'arrivent pas à ébranler le système. Mais il y a des luttes tous azimuts et dans tous les champs de la société et sans doute touchant toutes les catégories sociales. Au point que le mot d'ordre d'Occupy Wall Street, nous sommes les 99%, a eu un écho. Évidemment, cette formule est une image. De la même façon que la classe ouvrière a jamais été tous les ouvriers, les 99% ne signifient pas qu'il y aurait 99% de gens qui seraient prêts à entrer en lutte.
Mais ça signifie que, au fond, dans 99% du champ social, des activités sociales, des catégories sociales, il y a des gens qui aspirent à autre chose, qui exigent autre chose, qui demandent autre chose, et parmi eux, il y en a un certain nombre qui se mettent en lutte, parfois nombreuses, comme pour la loi El Khomri, parfois moins nombreuses, parce que représentant une catégorie de la population, comme les intermittents du spectacle, mais d'une façon qui crée dans la société comme un grondement permanent de lutte, qui est une des caractéristiques de la période que nous vivons. Et donc, et pour vous donner un chiffre, parce qu'il est, il est quand même spectaculaire, j'ai relevé une réponse que faisait un préfet de police ou un parlementaire ou un ministre à une question d'un parlementaire à propos des manifestations à Paris en 2013. Combien de manifestations à Paris en 2013? Je ne sais pas si vous avez l'ordre de grandeur en tête, mais ça fait plus de 3400 manifestations à Paris en 2013, c'est-à-dire plus de 10 par jour, avec 219 policiers blessés en 2013. C'est-à-dire que toutes les manifestations n'étaient pas des petites manifestations autour d'un bac à sable, c'est vraiment quelque chose qui agite la société d'une façon intense. On est donc dans une situation contradictoire, et c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une contestation permanente et tout terrain de l'ordre social actuel, et de l'autre, rapport de force objectivement défavorable, qui n'empêche pas les luttes, mais qui ne leur permet pas de l'emporter, en tout cas de l'emporter sur les questions qui structurent et organisent la société, le libéralisme, les privatisations, le code du travail, le droit du travail, etc. Enfin, on connaît tout ça. Mais le deuxième aspect, et c'est là, à mon avis, que le bât blesse et demande un vrai travail de réflexion et un vrai travail politique, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux projets d'alternative. Ou plus exactement, il y a des alternatives partielles ou il y a des alternatives différentes. Il y a énormément de luttes, mais par exemple le mouvement féministe ou le mouvement écologiste ou les luttes dans les entreprises ou les luttes contre les discriminations sexuelles ou sociales ou les luttes pour les réfugiés ou etc. ne convergent pas vers une même représentation de ce que pourrait être l'ordre social alternatif. C'est-à-dire qu'avant, il y avait cet horizon, il y a un philosophe qui avait appelé ça un horizon d'attente, dans lequel convergeaient les luttes, c'était le socialisme d'État et le communisme qu'il y avait derrière, au loin, et qui donnait confiance, qui était un chemin, qui était une perspective. Et aujourd'hui, il y a énormément de luttes, peut-être beaucoup plus qu'il n'y en a jamais eu en France, mais elles ne convergent pas dans un horizon commun. Le sens commun, pour reprendre cette expression de Gramsci, c'est déconstruit, n'existe pas, et donc, alors que la force sociale potentielle de toutes ces luttes est considérable et probablement sans équivalent dans le passé, elle n'arrive pas à converger et donc elle n'arrive pas à ébranler l'ordre social. Est-ce qu'on peut imaginer une modification du rapport de force? Puisque j'ai dit que le capitalisme avait, en organisant la mondialisation de la production, en faisant en sorte que les capitaux français, anglais, allemands, italiens, américains, japonais, russes, chinois, ou ce qu'on voudra, peuvent se déplacer sur la terre entière comme ils veulent, pour exploiter comme ils veulent et mettre en concurrence comme ils veulent, ça avait créé un rapport de force défavorable, qui était à une des deux raisons profondes de la situation que nous vivons actuellement. Moi, je crois que ça nous pose un problème considérable, mais qui est incontournable. C'est que dès lors que le capital a organisé son exploitation et sa domination à l'échelle mondiale, il faut que le monde du travail organise ses luttes et sa perspective à l'échelle mondiale. Et ça peut paraître très lointain et renvoyer les choses au calende, mais on a quand même une réalité qui est relativement proche de nous, qui est l'Europe.
L'Europe, c'est la première zone économique du monde. L'Europe, c'est 5 ou 600 millions de personnes. Et l'Europe, c'est une zone dans laquelle, historiquement, s'est construite une certaine culture, dans laquelle, contrairement à ce qui peut se passer en Amérique ou en Asie ou ailleurs, il y a une tradition de solidarité, une culture de l'égalité, même si elle est très imparfaite et partielle. Mais c'est une zone dans laquelle, qui est à la fois la première zone économique du monde et qui en même temps a une culture porteuse de valeurs dans lesquelles les mots égalité, solidarité, fraternité, liberté ont un certain sens. Or, il faut bien constater que l'Europe, telle qu'elle est, l'Union européenne, est devenue un des piliers de la construction de la mondialisation capitaliste, et que les forces du travail, les forces sociales qui sont aujourd'hui exploitées et dominées, ont mis extrêmement longtemps à s'intéresser à l'Europe elle-même. Moi, j'appartiens à un parti, le Parti communiste, qui a été anti-Europe pendant des décennies. Et je considère qu'aujourd'hui, alors même que j'ai été un des dirigeants de ce parti pendant une dizaine d'années, que nous avons très largement sous-estimé l'impératif absolu de la construction d'un rassemblement social et politique au niveau européen. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. La Confédération européenne des syndicats existe, mais honnêtement, on ne peut pas dire que la Confédération européenne des syndicats joue un rôle majeur, identifiable dans la vie quotidienne des salariés. De même, il existe un parti de la gauche européenne qui rassemble les forces dites de la gauche radicale. Mais même aux dernières européennes, on ne peut pas dire, et pourtant, pour la première fois, on a eu à l'échelle européenne un candidat commun pour la présidence de la Commission, qui était Alexis Tsipras. Mais malgré tout, franchement, le parti de la gauche européenne n'a joué qu'un rôle minuscule dans sa visibilité politique dans la campagne. C'est-à-dire que l'idée de construire une alternative politique au niveau européen me paraît à la fois un impératif incontournable et nécessité pour nous une révolution culturelle. Parce que, comme je l'ai dit pour commencer, la classe ouvrière, en fait, on devrait dire plutôt les classes ouvrières, elles se sont construites dans leur capacité à penser, à lutter, à s'organiser. Elles se sont organisées sur le plan national. Leurs outils sont nationaux. Les partis politiques, les syndicats sont des syndicats nationaux. Il y avait de l'internationalisme. Mais cet internationalisme était plutôt idéologique qu'une capacité à organiser des luttes. Or, aujourd'hui, je pense que l'objectif majeur, qui n'est pas le seul, l'horizon, je le dis, doit être posé à l'échelle mondiale. Mais il y a des objectifs concrets, des outils concrets, dont les salariés et la société, le peuple français, peut s'emparer à l'échelle européenne. Je dis peuple, parce que, et j'ai écrit ce livre en l'appelant peuple avec un point d'interrogation, parce que, effectivement, il y a des luttes qui concernent quasiment toutes les catégories sociales qui ne sont pas celles qui vivent de leur rente, mais ce peuple, en tant que sujet collectif, en tant que force sociale, n'existe pas. Il est à construire. D'où le point d'exclamation que je mets après le titre « Peuple ». De la même façon que la classe ouvrière, ça a été des ouvriers qui sont devenus un acteur collectif puissant, de la même façon, le peuple est à construire pour devenir lui-même un acteur politique puissant et qui serait alors beaucoup plus puissant que ne l'a été la classe ouvrière. Mais il y a cet horizon européen dont il faut nous emparer. Et on a des décennies de retard là-dessus. Mais comme disait Marx, que je cite encore une fois, peut-être parce que j'ai été très longtemps président de cette association Espace Marx, mais aussi parce que c'est quand même un penseur de référence. Marx pensait que dans la société, il avait une formule très jolie qui disait « on ne fait pas bouillir les marmites de l'histoire ».
D'ailleurs, il disait, il n'y a personne, aucun politique, aucun syndicat, aucun, qui peut pousser le feu pour que ça aille plus vite. Et il disait, pour que quelque chose puisse se transformer, advenir dans la société, il faut qu'elle existe déjà, même au sein d'un ordre social contraire. Même tête en bas, disait-il. Et moi, je crois que l'Europe, c'est quelque chose qui existe tête en bas. C'est-à-dire, il y a une culture, il y a des organisations, il y a des institutions, il y a des batailles politiques, il commence à y avoir des organisations syndicales et politiques. Il faut remettre l'Europe sur ses pieds. Il faut fabriquer de la politique et de l'action sociale à l'échelle de l'Europe. C'est en tout cas, à mon avis, une des exigences de la période. Et puis, le deuxième facteur, c'est la question du projet. J'ai insisté sur le fait que ce qui avait donné à la classe ouvrière sa puissance, c'était sa capacité d'imagination politique, c'est-à-dire de dépasser les luttes catégorielles pour poser la question d'un autre ordre social. Il faut aujourd'hui se poser la question d'un autre ordre social. Mais lequel ? Compte tenu de l'échec qui a été celui du socialisme dans sa vision soviétisée, disons, il faut se poser la question de savoir comment on peut construire quelque chose qui puisse être commun. Parce que, je le répète encore une fois, c'est dans l'absence de cette vision commune d'une alternative que gît l'impuissance, que la nécessité de faire converger nécessite de faire converger les idées sur ce que pourrait être une autre société. Et là se pose un problème politique qui est celui de l'activité politique elle-même. Pour la classe ouvrière, pour le projet qu'elle a construit, je ne dirais pas que la chose a été simple, d'ailleurs elle a mis des décennies et des décennies. Depuis le début des premières manufactures jusqu'aux grandes usines géantes et au-delà. Mais pour la classe ouvrière, cette classe était une classe minoritaire, très minoritaire même, très très minoritaire, même au début du XXe siècle, mais très puissante parce que très capable d'agir. Et très capable d'agir parce qu'au fond, elle avait construit son unité politique. Elle l'avait construite, non pas facilement, mais relativement facilement, parce que cette classe avait une certaine homogénéité. Je ne dis pas qu'elle avait une unité. D'abord parce qu'il y avait des tas de catégories différentes dans les ouvriers, des tas de statuts différents, de métiers différents, de lieux de lutte différents, d'objets de lutte différents. Mais il y avait quand même une relative homogénéité. Et donc, le projet qui avait émergé de ces luttes de classe était un projet qui se fondait sur les intérêts de la classe ouvrière, classe relativement homogène. Et d'ailleurs, un parti comme le Parti communiste s'est appelé longtemps le parti de la classe ouvrière. Il y avait beaucoup d'intellectuels qui votaient, soutenaient, même agissaient au sein du Parti communiste ou avec elle, mais on les appelait plutôt des compagnons de route. C'était les intérêts de classe, de la classe ouvrière, et puis il y avait les gens qui se rassemblaient, qui luttait avec la classe ouvrière. Au fond, si vous voulez, il y avait une telle puissance des luttes de la classe ouvrière qu'elle avait de fait un rôle dirigeant dans le mouvement de transformation sociale, dans le mouvement de contestation du capitalisme de l'époque. Mais aujourd'hui, pour la même raison qu'il y a une force potentielle immense, parce qu'il y a des luttes dans quasiment tous les champs d'activité et toutes les catégories sociales, il n'y a pas cette relative homogénéité, il y a une grande hétérogénéité, une grande diversité. Et la question, c'est donc de savoir comment on fabrique de la convergence, comment on fabrique du commun, à partir non pas d'une homogénéité, mais d'une hétérogénéité de différences profondes entre eux, les agriculteurs, les ouvriers de telle catégorie, les employés, les cadres, les enseignants, les chercheurs, les gens des services publics, etc., etc. C'est-à-dire, comment on arrive à fabriquer du commun. Et là se pose la question des formes de l'activité politique par laquelle je conclurai.
Je pense que lorsque une seule classe, en raison de sa puissance de lutte, a eu le rôle dirigeant et qu'elle a pu en quelque sorte conduire le mouvement, et que cette classe avait des intérêts relativement homogènes, les formes d'organisation de l'activité politique ont pu se faire de façon centralisée et verticale. Un peu d'ailleurs sous la forme de l'État lui-même, centralisé, vertical. Il y avait le haut et le bas, et l'activité politique consistait à élaborer en haut et à élargir le mot d'ordre, les idées, l'action dans toute la société, en tout cas dans toute la classe, et aussi largement que possible. On a donc eu des partis politiques qui se sont construits selon cette forme, verticaux, centralisés. Je crois qu'à une époque où il s'agit de construire du commun entre des catégories sociales qui luttent mais qui sont très différentes les unes des autres, qui ont des visions des choses différentes, qui ont des intérêts différents, mais qui ont un intérêt commun, c'est de lutter contre un système qui les exploite et les opprime, dans cette situation où il faut construire du commun à partir de la différence, les systèmes verticaux et centralisés ne conviennent plus. Ce d'autant que nous ne sommes plus dans la première moitié du XXe siècle. On est dans une société où 75% d'une génération arrive au niveau du bac. On est dans une société qui est inondée d'informations. Et non seulement d'informations par les grands médias, mais d'informations que la société fabrique elle-même. Et qui se transmet de façon virale, comme on dit, au travers de la toile. On est donc dans une société de gens formés et informés et diverses. Il faut donc trouver les formes de l'organisation qui permettent de fabriquer du commun à partir de cette diversité. Et je pense que c'est une des difficultés sur lesquelles nous butons aujourd'hui. Et il suffit de regarder le spectacle navrant de la vie politique française à l'approche des présidentielles pour se dire qu'alors que la société connaît tant de luttes, le monde du travail et le monde social s'apprêtent, si je ne sais quoi ne se passe pas, c'est un autre débat, bon c'est le même, s'apprêtent à une catastrophe politique. Voilà la situation dans laquelle on est. Et voilà la situation dans laquelle je reviens à mon idée d'imagination politique. À mon avis, il y a les forces politiques, les forces sociales, syndicales, les forces intellectuelles, les forces associatives, et puis il y a la société elle-même. Moi, je pense que la société est en avance sur les forces organisées, politiques, syndicales, etc. Je pense que il y a un besoin d'imagination politique pour arriver à résoudre ce problème, comment fabriquer du commun qui deviendrait alors irrésistible à partir des différences, mais d'intérêts communs en même temps très puissants. C'est devant ce problème que je crois nous sommes placés. Il y a des pistes, il y a beaucoup de pistes, mais jusqu'à présent ces pistes n'ont pas atteint ce que j'appellerais l'imagination, ou en tout cas l'initiative politique elle-même, c'est-à-dire que nous continuons dans une société que je qualifiais tout à l'heure d'éruptive, qui est en demande, en exigence, d'avoir une vie politique qu'il faut qualifier quand même, en tout cas que moi je qualifie, de carrément lamentable. On est dans ce paradoxe, mais je trouve que si on arrive à poser la question en ces termes, et si on arrive du coup à réfléchir aux formes de l'activité politique, à l'organisation de l'activité politique à partir de ces problématiques, en tout cas, c'est l'hypothèse que je fais et que je vous propose, je crois que nous pouvons avancer, non seulement avancer, mais il me semble que la différence fondamentale entre la grande époque de la classe ouvrière et la grande époque possible du peuple, c'est que la grande époque de la classe ouvrière était une grande époque où la classe marchande, en quelque sorte, était très minoritaire, alors que si le peuple arrivait à devenir un acteur marchand, un acteur qui se rassemble sur du commun,
Alors là, on serait dans la situation qu'évoquait Marx dès le manifeste de 1848, où il disait, pour la première fois dans l'histoire, le prolétariat est le mouvement de l'immense majorité au profit de l'immense majorité. C'était une anticipation fulgurante. Mais je pense que ce que nous voyons dans la société bouger, dans tous les secteurs de la société, c'est dans le désordre, dans l'inconfort et même dans l'échec politique aujourd'hui, ce sont les prémices de la possibilité que l'immense majorité, le peuple, puisse se rassembler pour devenir un acteur beaucoup plus puissant dans l'avenir que ne l'a été la classe ouvrière dans le passé. Parfois, on me trouve trop optimiste, mais je pense qu'on ne fabrique pas de l'activité politique ni avec le pessimisme, ni avec l'absence d'idéal. J'aime bien la formule de l'écrivain William Faulkner, qui disait « Il faut se fixer dans la vie des objectifs suffisamment élevés pour ne pas les perdre de vue en chemin. » Je pense que ce sera mon mot de la fin. Il y a deux philosophes qui s'appellent Dardot et Laval, qui ont écrit un gros bouquin qui s'appelle « Commun », où ils développent l'idée que je partage, qu'en réalité, la question du commun, c'est non pas le fait qu'il faudrait développer la propriété collective ou commune de certains biens, l'eau, l'air, l'électricité, ou l'activité éducative, ou l'activité de santé, etc. Mais qu'au fond, le commun, c'est le fait pour les êtres humains de faire en commun. C'est le faire en commun. Et, pensent-ils, et je le pense comme eux, en réalité, ça peut être un nouveau mode d'organisation, et dans le sens, je pense, où tu le disais, un nouveau principe fondamental. Au fond, le socialisme d'État s'est opposé au capitalisme, qu'on peut aussi appeler un capitalisme d'État, à vrai dire, autour de la notion du marché et de la propriété, opposé au rôle de l'État. En fait, l'État était derrière les deux formules. Et dans un cas, l'État était garant des droits de la propriété, c'est le capitalisme, et de l'autre côté, l'État dominer l'ensemble de la société, mais, comme on l'a vu, a construit une société qui était une société repoussoire, de domination plus grande encore que celle du capitalisme. Mais on a vécu sur cette opposition du marché et de l'État. Ou bien c'est le tout marché, ou bien c'est le tout État. Cette idée de commun peut devenir un nouveau principe fondamental d'imagination d'une alternative de système. C'est-à-dire d'imaginer un système dans lequel on n'échange pas la domination du marché, c'est-à-dire de la propriété du capital, contre la domination de l'État, mais où les êtres humains, les gens en général, s'auto-organisent dans la société pour faire ce qu'ils ont à faire en commun, et notamment satisfaire les besoins de tous. Donc je pense que ça permet d'imaginer un dépassement de cette opposition qui a duré presque deux siècles, à vrai dire, entre les sociétés fondées sur le marché et les sociétés sur la puissance du marché et les sociétés fondées sur la puissance de l'État. Par exemple, il y a l'idée que, je ne sais pas si vous vous rappelez cette formule, que le socialisme allait faire mieux que le capitalisme. C'est-à-dire qu'il allait permettre de produire beaucoup plus. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'en réalité, le problème, ce n'est pas de faire mieux, c'est de faire complètement différemment. Et donc, nous vient d'Amérique du Sud une expression qui commence à se répandre un peu partout. En espagnol, c'est « buen vivir », « buen vivir », »,« bien vivre », qui peut être un objectif beaucoup plus enthousiasmant et permettant beaucoup plus de fabriquer du commun que de produire plus. Qui met en cause, effectivement, une vision productiviste et consumériste qui est propre au capitalisme et dont malheureusement le socialisme d'État avait emprunté un certain nombre d'idées-forces.
Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de concepts, d'idées, qui sont déjà bien avancés dans la société et bien avancés dans les luttes. Et qu'on retrouve, alors dans les formes qui parfois rendent perplexes sur la façon dont ça pourrait déboucher sur une perspective politique, mais qui ont été très présentes dans le monde altermondialiste, le mouvement altermondialiste, à nuit debout, enfin dans des mouvements de ce type, dans lesquels toutes ces idées s'agitent. Moi, c'est un concept qui me va très bien, l'idée de démocratie économique. Et c'est pourquoi je l'avance dans mon livre comme une des clés de l'avenir. Au fond, en 1789, dans cette révolution dont la bourgeoisie a retiré l'essentiel, il y a eu une déclaration des droits de l'homme et de citoyen dans laquelle a été rajoutée in extremis la fameuse phrase « La propriété est un droit inviolable et sacré ». Et à partir de cette idée, s'est construite une séparation entre la sphère politique où la notion d'égalité devrait jouer, donc le suffrage qui a mis quand même 100 ans à devenir universel, et plus que 100 ans, etc. Et l'activité économique fondée sur la propriété, où là, ceux qui possédaient le capital acquéraient la liberté d'exploiter le travail d'autrui. Je pense que la notion de démocratie économique, c'est-à-dire l'extension du domaine de l'égalité des droits et de l'égalité réelle à l'ensemble des sphères d'activité de la société, donc y compris l'économie, est un enjeu de la bataille à venir. Et je pense que parmi les propositions qui existent, il y en a pas mal sur la table. Il y a toute l'économie sociale et solidaire, il y a le mouvement coopératif, le mouvement mutualiste, etc. Mais il y a aussi l'idée que dès maintenant, les grandes entreprises pourraient avoir un statut différent de celles qu'elles ont aujourd'hui, c'est-à-dire ne plus appartenir, être la propriété du capital qui s'y investit, mais d'être un lieu où les différents parties prenantes de l'entreprise, les salariés, les pouvoirs publics, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui vive sans qu'il y ait un effort des pouvoirs publics dans les infrastructures, dans l'éducation, tout ce que vous voudrez, etc., se partagent le pouvoir. Je pense qu'il y a une façon d'organiser le commun jusque dans l'entreprise qui permet de donner corps à cette idée de démocratie économique. Moi, personnellement, je considère, je fais partie d'un parti politique, je considère par exemple que les partis sont essentiels. Et les syndicats aussi, et les organisations en général. Je pense que tout ce qui permet aux citoyens de s'organiser, de s'auto-organiser, est essentiel, et que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas une capacité d'élaboration intellectuelle, politique, syndicale, sociale, culturelle, alors la société est vouée à la domination et à l'exploitation. Et que ces formes organisées, que sont les partis, les syndicats, les associations, les mouvements en général, plus ils sont organisés et plus je pense qu'ils apportent à la société. Encore faut-il que leur organisation ne revienne pas à priver les citoyens de leur propre aspiration à agir, à s'organiser, à penser. Moi j'avance l'idée à l'intérieur du Parti communiste, il y a actuellement un congrès et on débat sur les stratégies. Moi j'avance l'idée qu'une des transformations que doivent faire les partis, en général, pas que le Parti communiste, en tout cas les partis qui veulent représenter les catégories populaires, c'est de changer de conception en ne se donnant pas pour objectif, eux partis, de dire à la société ce qu'elle doit penser ou faire, mais d'agir avec toutes les forces que donne l'organisation pour permettre aux gens, là où ils sont, de s'approprier l'activité politique et de décider eux-mêmes. Donc,